Eh bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 4 de notre petite aventure avec Pokémon Révolution Online, où nous nous étions arrêtés en fait, où nous avons galéré en fait pour l'arène, première arène qui est l'arène donc de Pierre, enfin composée, pas Pierre le prénom, composée de Pokémon de Pierre. J'avais des Pokémon pas très évolués, j'ai fait un petit peu XP mon Salamèche et mon Rookool un peu, enfin vite fait. Je n'ai toujours pas trouvé de rose bouton. Malheureusement, cet épisode aurait dû sortir un jour à l'avance. Le truc, c'est que hier, j'ai impossible en fait de me connecter au serveur. Soit il y avait trop de monde, soit ça me mettait canne note connect to serveur. Donc impossible, j'arrivais pas. J'ai retéléchargé du coup le jeu, mais j'arrivais toujours pas. Mais là, hop, j'y suis arrivé dans la nuit en fait. Là, bon, j'ai pas pu tourner. Du coup, j'en ai profité pour un petit peu faire évoluer mes Pokémon et j'ai trouvé un personnage intéressant dans la forêt qui me demande de l'aider. Du coup, on va y retourner. Avant d'y retourner, je vais aller acheter par contre des petits antidotes parce que j'en ai utilisé deux ou trois là. Pendant que j'ai fait XP mes Pokémon. Parce que ces foutus Aspico ou Chenipan sont assez pénibles et nous attaquent à tour de bras avec du poison. Du coup, on va rapidement acheter ce qu'il nous faut. Antidote, on va en prendre 5. J'ai combien de sous, j'ai pas vu. Voilà, ça y est, ok. Parfait, bon, on va prendre juste ça. Normalement, j'ai encore quelques potions, une super potion. Et le principal dans toute cette histoire, c'est que j'ai mon petit café avec moi. Hop. Santé. Je crois qu'il est un peu chaud, par contre. Oula, il fume. Ouais, on va attendre un peu. Alors, donc nous avançons tranquillement dans cette forêt. Alors je sais pas si ça s'appelle vraiment une forêt de jade. Il y a marqué Viridian Forest. Viridian, je sais pas ce que ça veut dire. On continue. Alors là, on est de nuit encore, c'est un peu chiant. Ça va qu'on passe de jour rapidement pour que je puisse essayer d'attraper un foutu rose bouton. Allez, on va essayer de se fight. Au pire, je ferai une petite pause dans la vidéo, j'attendrai que le jour se lève et on repartira. Et déjà, on va aller voir ce que veut ce jeune garçon. Oui, j'en profite pour tuer tous les Pokémon ce que je vois sur la route, comme ça fait XP mes Pokémon un peu. Ils en ont grand besoin. Parce que l'arène de pierre, enfin de composé de Pokémon de pierre, c'est un peu galère avec mes Pokémon, surtout si je trouve pas de rose bouton. Il va falloir qu'on fasse XP, quoi. Voilà. Parfait, merci. J'ai un peu ralenti aussi la vitesse du texte parce que je trouvais que ça faisait un peu rapide pour les vidéos. Des fois, on n'avait pas le temps de lire combien d'XP j'avais gagné ou enfin voilà quoi, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc là, c'est reparti hein, tranquillement. Kakuna Wild, Kakuna. Alors, on va le battre. Un petit coup de tornade de Gust. Et c'est bon. Alors 70 expériences en plus, ça c'est cool. On continue. Donc là on croisera pas de rose bouton logiquement hein, parce qu'il fait nuit. Un peu chiant. Alors c'était par là je crois. On va aller voir. Fight. Ok. Bon, j'espère que vous allez bien, que votre petite partie dans Pokémon Revolution Online avance bien. Si vous y jouez, bien sûr. Bon, pour ma part, ça avance à son rythme tranquillement, hein, mais bon, ensemble, on va le dire. On va éviter de se faire attaquer. Là, on va aller voir directement. Il y a marqué quoi, en fait, ici? Je suis jamais allé voir. West. Il y a un trésor caché. Un peu de patience pour le découvrir. Un trésor caché. Très bien. Très bien. Très très bien tout ça. Alors, on va aller se fight contre le petit Weedle. Allez. Allez PJ. Ah merde, faut que je fasse attaque. Je suis perché. Je suis perché parfois. Parfait du premier coup. Allez hop. 141 XP, ça fait toujours plaisir. On prend. 24 Poké-Dollars aussi, on prend. Alors c'est ce petit garçon là. Salut copain, can you please help me? Alors il me demande si je peux l'aider, je vais dire oui,
la fois j'ai dit long du coup, pour qu'on puisse faire ça en vidéo. Alors, un homme vêtu de noir, on va dire, m'a volé mon roucoule et est parti ici. S'il te plaît, trouve-le pour moi. Je te donnerai une escape rope. Alors attendez, je sais pas ce que c'est escape rope. Escape, c'est échapper, je pense, mais rope, je sais pas. Je tape à côté, j'ai tout prévu. Ah, une corde de sortie, ok. Pour t'aider. Ok. Normalement, il a dû me la donner, je pense. Si on a entendu ce bruit, on va aller voir. T'es sûr qu'il m'a donné une escape? Have you found... Eh non, je l'ai pas trouvé. Merde pas, note pas encore. Mais attends. C'est pas ça que je voulais faire, c'était backpack. Il m'a pas donné la corde sortie. Ah, là voilà, ok, très bien. Très bien, alors ok, donc on va aller chercher du coup. On l'avait vu le mec en noir. Il était au début sur la gauche, donc on va lui retourner. On va aller essayer de se le fighter. Il était sur la gauche, donc on va aller tout le temps sur la gauche. Comme ça on va pas se perdre. Tout le temps sur la gauche et après on ira tout le temps sur la droite. Il est là. Il est juste là, le coquinou. Let's battle for the kids, PJ. Ok, c'est parti, donc on l'attaque. Je pense qu'il n'y a pas de texture. Parce que regardez, là tout est carré, c'est marrant. Alors qu'on est dans un arbre. Ça m'étonnerait qu'ils installaient des dalles dans un arbre. Alors on va faire évoluer un peu notre petit roucoul en premier. Il attaque avec vive attaque. Une petite lampée de café en même temps. Hop, oh, c'est bon. En deux coups, on a tué le ratata. C'est marrant parce qu'il a le même nom en anglais, tu vois. Voilà, c'est fait. C'est tout, 135. Putain, les salauds. Ah, il avait que ça. Mais il était nul. How you go? PJ flies off. Ah, il faut qu'il retourne to the kid. Ok, donc le PJ est retourné. À l'enfant, on va aller voir le gosse. Bon, c'était rapide, express, mais il fallait le faire de toute façon. Hop là. Thank you so much for feeding my PJ. How can I repay you? Ah, repay. Je sais pas ce que ça veut dire repay. Rembourser. Ouais, si tu veux. Je sais. Take these Pokéballs. The kid gives 15 Pokéballs. Putain, c'est énorme. Pardon, excusez-moi pour l'injure. Je m'excuse. The Easy part avec son Roucoule. Okay, très bien. Bon, il est 19h55. Donc du coup, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de Roucoule. Je vais aller voir ce qu'il y a sur la gauche. Je sais pas si j'y suis... Je me rappelle plus si j'y suis allé. Ça, c'est ouf. Ouais, je crois que j'y suis allé. Ah, merde. Bon, allez, on va le fight. Vite fait. Le truc, c'est que je trouve que le Poké Time n'avance pas bien vite. Pas assez vite, en tout cas. Ce qui est quand même dommage, parce que là, avant d'arriver à... Comme vous pouvez voir, avant d'arriver à... Je sais pas à quelle heure c'est le jour, mais si c'est 8h du matin, j'en ai pour une heure, là. Une heure, au moins. Au pire, on fera ça dans le prochain épisode, pour, ou alors je vais essayer de me fighter, tant pis, comme ça, mais... Je vais pas attendre une heure avant qu'il soit 8h. On va repasser dans les hautes herbes. Alors là, il fait nuit noire. Là, il fait nuit noire, c'est très bien. On voit plus rien. On va essayer. Je sais pas si la nuit noire, il y a des Pokémon. C'est une bonne question. En attendant, moi, je vais essayer de faire évoluer mon petit Roucoule, tranquillement. Tranquillement. Je réfléchissais, et puis voilà. Mais je me demande ce que c'est que ces arbres aussi, là. Il y a rien. Si je passe par là, il y a rien. Ah. Oh, yes. Cool. Mets un coup de boule avec ça à la mèche. Ah non, faut avoir coup de boule. Ah, j'ai pas coup de boule. Il doit y avoir des Pokémon là-dedans. Il doit y avoir coup de boule à récupérer quelque part. Ou je ne sais pas. Bah alors on va se fight un peu encore. Petite lampée de café. On va remonter tranquillement vers le début de la forêt. Et puis, je verrai l'heure qu'il est, mais là, il est que 20h05, c'est pas bien tard. C'est un peu dommage. Ah, un hout-hout. Hout-hout. Non, mais je préférais avoir un rose bouton, parce que le hout-hout, j'ai déjà un Roucoule, ce qui suffit largement. Voilà, quoi.
Ah, par contre, du coup, l'attaque tornade sur un Hutout, c'est pas forcément très efficace. Hein. 17 Poké-Dollars. On continue. Merde, je vais voir un truc. Dommage. Alors, un petit coup de fight. Un petit gust. Ça fait combien de temps? Ça fait ouais, 10 minutes à peu près qu'on filme. Il est 20h09 quoi. Bon, les amis, je suis déjà rendu là. Je suis déjà rendu ici. On va faire ce dernier fight. Et puis après, je vais faire une petite pause. Du coup, pour pouvoir être de jour. Ouais. Bon, ouais, on va faire ça. On va faire ça. Roucoule est passé au niveau 13. Et ça, c'est bien. Voilà, parfait. Bon, écoutez, les amis, on va faire une petite pause là-dessus. On se retrouve de suite. Eh bien, les amis, ça fait 1h30 d'attente et il est que 4h du matin. Alors je ne sais pas si à 4h du matin il y a des Pokémon des roses boutons. Je sais pas en fait pour eux qu'est-ce qu'ils estiment que c'est la journée ou pas. Là pour moi c'est la journée. Il y a un grand soleil, 4h du mat, je comprends pas pourquoi 4h du mat, mais pour moi c'est la journée, donc on va tenter de trouver un rose bouton au moins pendant 10 minutes. Et puis si on n'en trouve pas, bah écoutez, on va aller à l'arène. Hein. Spinarak. Mais je pense qu'il fait nuit encore, on peut voir là. C'est pas cool du tout ça s'il fait nuit. S'il fait nuit, il fait nuit quoi. Non mais s'il fait nuit c'est chiant parce que... voilà quoi. Donc en attendant, bon, ben, je vais me fighter. Et puis au level 15 de mes deux Pokémon, j'irai à l'arène et puis tant pis. Hein. Je trouve que le temps passe beaucoup trop longuement quoi. Ça fait ouais, 1h30. Quelque chose comme ça. Je sais plus, il faudrait regarder l'heure en haut. De toute façon vous pouvez voir le local time. Dans les 1h15 je pense quelque chose comme... Oh un Pikachu! Ça c'est cool. On va essayer de le capturer. Par contre, il va me faire mal. Hein. Il va me faire mal. On va lui mettre juste un petit coup de tacle. Ouais, c'est de pas le tuer. Mais non! Merde! Merde, un Pikachu, ça doit être tellement rare. Quel échec! Ah, oh, je suis déçu. Je suis déçu. En tout cas, il m'a paralysé mon Pokémon, donc il faut que je le soigne rapidement. Hop, alors... Burn Cherry, c'est pourquoi paralysie, parfait. Pour mon Roucoule. Ok là, allez on continue. Donc déjà il y a des petits Pikachu. Attaque. Gust. Tornade. Pour les intimes. Voilà, ça c'est fait. Allez hop, on continue. Spinarak, level 7, allez, ça va faire un petit peu d'XP. Le truc, c'est que maintenant, j'ai des Pokémon beaucoup trop élevés pour attraper des Pokémon pas trop élevés. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Donc il faudra peut-être que je me... Ouais, je sais pas comment faire, mais on verra, on verra. Pire, j'essaierai des coups de Pokéball direct, sans lui mettre de coups. Je leur mettrai des jets de sable dans la gueule et après un petit coup de Pokéball. Voilà, ça c'est fait. On continue. Wild Weedle. On attaque, tranquille. On a dit 10 minutes à peu près là. Ça fait que 3 minutes, mais... à peu près. Plus ou moins. Hop, 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 hop. Métapode. Voilà. Bah, c'est pas très intéressant, du coup, parce qu'on trouve pas de rose bouton. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Il y a ces...
Moi je vous dis les gars, dès que mes deux Pokémon sont Roucou les machins sont level 15, je vais à l'arène parce que pas que ça à faire. Level 15, on a des petites chances de gagner peut-être. On verra, on verra bien. Spinarak, il n'y a plus de Pikachu, c'est bien dommage, je suis déçu. Pikachu, ça aurait été parfait, comme. Ça aurait été parfait. Wild Weedle. Encore. Je vais pas avoir assez de d'attaque tornade. Ils sont pas assez assez forts ces Pokémon. Ah! Alléluia! Alléluia! Ah là là! Oh, j'ose pas lui mettre un coup quoi. On va lui faire du sang d'attaque. On va lui faire plein de sang d'attaque. Pour qu'il échoue toutes ses attaques après en fait. Pour moi il échoue pas. Hein. C'est un peu embêtant. On va lui en mettre, je sais plus combien c'est le maximum. Après au bout d'un moment je crois que c'est inutile. On va aller en mettre 4 ou 5 et puis après on sera tranquille je pense. On va encore lui en mettre un. Et en tout cas il me rate pas lui. Bon on va lui... écoutez on va tenter une Pokéball. Hein. On en a 24. On va en essayer 4 sans lui mettre de coups. Au moins 4 je pense. Puis après on... Oh bon on l'a eu. Bon bah c'est super. Très bien. Très bien, c'est parfait ça, on a le petit, du coup, on va le faire XP un petit peu. Voilà, on va le faire XP un petit peu ce petit rose bouton, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Pendant 5 minutes à peu près, ouais, 3-4 minutes, 4-5 même. Et puis c'est pas mal. Oula, par contre, absorbe ça, je suppose savoir ce que c'est. Water Sport. Attendez, je vais aller voir les... C'est de quel type ça? Water, voilà, forcément water. Il est... Ah ouais, mais il est pas mal ce Pokémon. Je ne le connaissais pas honnêtement, parce que je suis pas allé jusque là. Donc on a dit que c'était quoi comme attaque? Water machin. Water quoi? Ah, ça doit être classé dans les normales peut-être, alors attendez. Je vais voir ce que c'est en fait, hein. Veuillez m'excuser. La traduction. Tant que j'y suis... Non, je vais pas trouver. Bon, mais j'ai pas trouvé. Dites-moi ce que si vous savez ce que c'est Water Sport. Je sais pas ce que c'est, je regarderai plus tard, parce que j'ai pas ça. Je voulais voir du coup Absorb. Normalement c'est je sais ce que c'est Volvi je pense. Quelque chose comme ça. On va aller voir Plante. Plante. C'est où le Plante? Voilà, c'est là. Plante. Alors, Absorb c'est Volvi, voilà. Bon. Écoutez, on va lui faire un coup de Volvi. Parce que l'autre, je ne sais pas ce que c'est Water Sport. Ouh, ça lui fait absolument rien, c'est génial. Ah ouais, mais c'est normal, c'est pas ici qu'il faut que je le fasse évoluer. Attendez, on va se barrer. On va se barrer d'ici. On va sortir de la forêt. Il y aura peut-être des Pokémon ici. Là, en haut, là. Là-haut. Il y a des hautes herbes. Et peut-être que les Pokémon ne seront pas des... comment on appelle ça, déjà? Pas voilà, parfait. Des pigeons, c'est ce qu'il me fallait, moi. Des pigeons absorbent. Ah, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Bon, c'est pas très efficace, il met, mais bon, pas très grave. Fight. Ça, c'est normal. Ça, c'est water. Et water, je l'ai. C'est bizarre. Pourquoi je l'ai pas ici? Water Waterfall. Non, j'ai pas water gun. Water Sport, qu'est-ce que... Oh putain, j'ai pris trop cher. On va changer de Pokémon. Hop. J'ai pris trop cher.
Il est bientôt au level 9 en tout cas, ça c'est bien. On va essayer de le mettre au level 10 avant d'aller à l'arène. Ok, hop. Attendez, je vais essayer de voir vite fait ici. Water. Sport. Non, j'ai mis. J'ai pas mis le bon truc. Sport. Pokémon. Je regarde sur internet vite fait. Tourniquet. Ah ouais, c'est de la daube. Yes. Ça, c'est nul, tourniquet, je crois. Un Wild Kakuna. Lui, c'est bien, il va pas pouvoir m'attaquer parce que normalement, il a pas d'attaque. Donc, on va y aller tranquille et puis on va absorber sa vie. Ah, mais par contre, ça va être long là. Ouais, mais non, ça va être trop long. Ça va être beaucoup trop long. Beaucoup, beaucoup trop long. On va changer de. Oh, et puis mercredi, on va aller directement à l'arène. En tout cas, le attaquer le dresseur avant l'arène. Je crois qu'il a qu'un Pokémon, je crois, en pierre. Donc, avec Volvi, ça devrait aller vite. Puis comme ça, il va XP, je pense, mon Pokémon. Enfin, XP, peut-être pas, hein, on verra. On va d'abord aller soigner notre petit rose bouton. Enfin, nos Pokémon, en fait. Parce qu'il y a aussi tous les deux autres aussi qui sont pas en forme. Yes. Alors, il nous reste une bonne dizaine de minutes. On va aller se fighter. On va aller se fighter tranquillement. On a notre petit rose bouton, on est bien, on est chaud. Ah mais en fait, comme il m'a déjà battu, mais pas besoin d'aller le battre. Bizarre. C'est bizarre, il m'a déjà battu en fait. C'est con, on peut pas le rattaquer. C'est bête, c'est dommage, je suis déçu. Bah écoutez, franchement on est chaud. Hein. Super, il nous dit que c'est du type roche. Très bien, allez. Ah oui, on connaît pas les levels des Pokémon. C'est vrai. Allez, absorbe. Il a raté son attaque. On lui fait pas si mal que ça, hein. Il doit être élevé son Pokémon, son level. On va recommencer, hein. Oh le one shot. Oh le con. Mais non, mais non, mais non, mais merde. Allez, Salamèche. Oh là, je suis blasé, putain. Bon, il va falloir le faire évoluer. Très bien, très très bien. Là, moi, je suis clairement dans le caca. Je sais pas quoi faire. Ça sert à rien, de toute façon, que je fasse attaque griffe ou attaque flamme, flamèche. Ça sert à rien. Il va me mettre une fessée. Allez, mets-moi la fessée, voilà. Eh, mais il est quel level, sans déconner, là, son Geodude. C'est ouf. On va changer de Pokémon. Oh, on est fini, hein. On est fini. Allez. Petite tornade qui sert à rien. Va bouger un caillou, toi. Un gros caillou avec du vent. Il a raté son attaque. On a un peu de chance. On va faire vive attaque. Oh, ça lui a pas fait grand chose non plus. Allez, achève-moi. On a 5100 Poké-Dollars, on va perdre combien? Ok, très bien. Oh, on n'a pas perdu de Poké-Dollars, tiens, c'est marrant ça. Bon, très bien. Ah non, mais ça sert à rien que je les soigne. Non, non, ils sont déjà soignés en fait. Bon, on va aller faire évoluer le petit Bulu. Attendez, je vais aller voir ce Pokémon Rose Bouton pour voir à quel niveau il évolue. Du coup, parce que c'est pas un Pokémon que je connais, donc je vous le cache pas au moins. Donc il évolue au Roselia quand il est content. Ha, bien. Super. Super. Bon, du coup, j'aurais bien voulu voir Pokédex. Pardon. Hop. Il est où là? C'est quel numéro? Il est quel numéro ce Pokémon? C'est pas marqué ici. Dommage.
Ah ouais, il est dans les... Combien? Il doit être loin, parce que moi je pense que je me suis arrêté vers les 300, sur les coups de 3... Ah, il est là. Alors... Water sport... Il a... Ah, il apprend piston port... sport... Ah non, je croyais que j'allais dire pistolet à eau, mais non, sport. On verra ce que c'est. Attendez, mais je peux vous le dire, vite fait. C'est où? C'est de plantes, je pense, sport, poison, peut-être. On va aller voir. Alors, Stun Sport, c'est parasport. Très bien, c'est pour la paralysie, donc ça sert à rien. Mega Drain. En fait, il faudrait aller au moins jusqu'au level 13 pour avoir Mega Drain. Parce que Mega Drain, c'est méga sangsue. Et ça, c'est pas mal contre les types proches. Donc, on va le faire évoluer jusqu'au level 13. Bon, écoutez, on va faire ça ensemble parce qu'il reste plus que 5 minutes. Donc, je trouve ça con. Ouais. On va faire ça ensemble. Au moins, on aura une autre rose bouton. Tranquillement. Un Wild PJ. Ah, par contre, il n'a pas des très bonnes attaques pour le moment, donc ça va être assez long. À part ça, en fait. Attendez, je voulais voir les types normales. C'est croissant, ça. Ah, en fait, il risque de me fighter, quoi. Faut vraiment que j'évolue vite avec lui, parce que là... Heureusement que je récupère un peu de vie avec Volvi. Ah mais je l'ai empoisonné, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Allez, on absorbe sa vie. Il me fait un coup de tacle. Bon, tranquille. Il est blessé par le poison et je pense qu'après on l'achève, j'espère. Bon, j'espère qu'on va l'achever en tout cas. Très bien. C'est pas très efficace, mais bon. Putain, cette allure là, il va pas vite évoluer, moi je vous le dis. Ça risque d'être très long. Ah ouais. Je vais aller voir ailleurs en fait. S'il n'y a pas moyen de le faire évoluer ailleurs. Sur la droite, il y avait quoi? Je m'en souviens plus. Attendez, faut qu'on voit le plan en fait. Parce que là, on est ici. Donc sur la droite, il y a de la ville. Ah oui, mais je pouvais pas y aller tant qu'il n'y avait pas de. Ouais, donc ça sert à rien. Je pouvais pas y aller tant que j'avais pas battu la reine. Donc en fait, je vais retourner là. C'est un peu bête ce que j'ai fait. Il faut absolument qu'il évolue, quoi. Ça va être long et laborieux. Mais écoutez, hein, on n'a pas le choix. Alors contre lui, je suis inefficace. Donc voilà, faut que je change de Pokémon à chaque fois. Du coup, on va partager l'XP. C'est un peu embêtant. Ouais, c'est un peu embêtant tout ça. Il a 9 XP quoi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Pourquoi lui il prend moins d'XP que Salamèche? C'est bizarre. Hein. Non, mais ça va être trop long. Ça va être trop long quoi, laisse tomber. On va lui mettre une potion là. Voilà. Parfait, un roux cool, c'est ce qu'il fallait. Ah, mais niveau 4, il n'a pas 8 jours, quand même. Ah ouais, c'est horrible, c'est horrible. Puis en plus, il donne que dalle d'expérience. On va aller, vous savez quoi, après, on ira aller dans la forêt. Parce qu'il y a des fois, il y a des Pokémon de niveau 7, et puis il y a Pikachu qui peut être intéressant aussi. Au final, là, pour. Ah merde, il me faut un coup de tacle. Ouais, ça m'énerve. Je sais pas, il doit avoir 20 XP à récupérer là, ça sert à rien de rester là. On va se barrer. Merde. Merde, en plus un level 3 quoi, super. Allez, on se tire. Ah lui, il a un Dracaufeu, le coquinous. On va aller XP là-dedans, si on peut attraper un Pikachu, pourquoi pas. Ce serait bien. Wild Caterpie, voilà, déjà ils sont niveau 6, ça ira un peu plus vite. Par contre, hop, on prend ça à la mèche. Ça va aller plus vite comme ça. Voilà. Super efficace.
Combien il prend? 18 XP, on est pas arrivé. En plus, t'as la mèche, il prend plus. Ça, je comprends pas, parce qu'il a plus de niveau, c'est pour ça. C'est bizarre, hein. Il me semblait qu'à l'époque, c'était divisé par 2, tout simplement. Spinarak, level 7. Ah, regardez-moi ça, ça a pas bougé, quoi, sa barre d'XP. Ah, ça va être infernal. Je vais tenter le Water Sport, voir ce que ça lui fait. Oh là là. Je déprime. Ah, je déprime, quoi. Ah non, mais là, j'ai pas le choix. Faut que je change de Pokémon à chaque fois, quoi. J'ai envie de pleurer, quoi. Ça va être méga lent. D'ailleurs, si vous avez une technique à me proposer pour faire évoluer ce petit Pokémon plus rapidement, je suis preneur, parce que là, ça risque d'être très long. Moi, en attendant, quand même, hors caméra, je vais aller XP quand j'aurai un peu plus de temps. Je vais aller XP, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais pas continuer à l'XP, mais si vous avez des propositions, des idées, je suis preneur. N'hésitez pas à me proposer. Bon, lui, normalement, il... Ah, mais là, ça risque d'être hyper long, quoi. Donc, non, on va prendre un recool. Attaque, tornade, tornado. Voilà. Combien il gagne d'XP? Pas beaucoup. 13. Super. C'est super. Merci l'ami. Alors attendez fort. Il lui manque combien là? Next niveau 609 quoi. Laisse tomber. À 13, il en faudrait 50 Pokémon quoi. Oh, j'ai un super bonbon. Ça peut être ça de gagner déjà. On verra. Bon, si vous avez des idées pour me faire évoluer plus vite, n'hésitez pas à me proposer. En attendant, moi je vous laisse. Je vous fais la bise. Merci de m'avoir suivi. J'essaierai d'aller plus vite dans les prochains épisodes parce que là c'est chiant. Parce que c'est de l'XP, c'est de l'XP. C'est un peu relou, c'est le début. Allez, moi je vous fais la bise. Mais je vous dis à la prochaine. Passez une bonne soirée, une bonne après-midi ou une bonne journée. On se retrouve pour la prochaine fois. Allez, salut les amis!